Hey, je suis de retour pour plus de Monster Hunter Portable 3 et aujourd'hui, on est dans la guilde parce que il me semble que je l'avais pas vraiment montré la dernière fois à cause que... tout avait planté, mais je l'avais montré dans mon premier enregistrement, mais pas dans le deuxième, il me semble, fait que... Excusez-moi si vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. Ici, oh, j'avais pas parlé à ce chat-là, par exemple, fait qu'on parle au chat. Fait que fuck you. Ce chat-là, dans le fond... Il nous vend des drinks comme ça qui nous donnent des talents de feline, comme dans Monster Hunter 3, quand on mangeait à la table, des fois on avait des talents de feline qui s'activaient, ben c'est exactement la même chose, sauf qu'on peut choisir lesquels qu'on veut là-dedans. Dans le fond, c'est moins aléatoire que dans 3. C'est pas mal moins aléatoire même. Là, généralement, quand c'est 3 étoiles, ça veut dire que c'est le talent qu'on va activer automatiquement. Puis les autres étoiles, ça veut dire qu'on peut les activer, et puis dans le fond, c'est leur probabilité d'activation. Bon! Mais pas vraiment... Il me semble les premières drinks sont pas vraiment utiles. Fait que j'en prendrai pas parce que ça coûte 200 zzz. Pas vraiment cher, mais c'est pas grave. Je les prends quand même. Puis lui, c'est les quêtes... ma gorge. C'est les quêtes pour le spa et avoir plus de boissons. Ici, on a plus de boissons si on fait ces quêtes-là. Sauf que ces quêtes-là, c'est pas des quêtes de village. C'est des quêtes de guild. Celui du Awashira. Il me semble les quêtes de boissons sont des quêtes de guild. Puis il me semble que c'est des quêtes ici, pour le spa, c'est des quêtes de village. C'est-à-dire que les monstres ont moins de vie que des quêtes de guild, dans le fond. C'est juste ça, on les faisera pas tout de suite, parce que c'est pas vraiment nécessaire de le faire tout de suite. On n'a pas vraiment besoin de plus de vie ni de stamina en commençant les quêtes. De toute façon, on a des rations en partant les quêtes. Bon, puis c'était juste ça. Puis au comptoir, il y avait la fille en vert. Je pense que c'était les quêtes low rank, puis l'autre, c'était high rank. C'était juste ça, oui. C'est exactement comme... Comme toutes les autres Monster Hunter. Dans le fond, il n'y a pas de quête de rangée, malheureusement, dans Portable 3rd. Fait que je suis triste, très triste. Et là, on va aller faire la quête. Je vous montrerai pas ces quêtes-là, juste pour être clair. Parce que c'est exactement comme celle-là. Puis on va y aller dans ces cartes-là, de toute façon. Fait qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder là-dedans. À part peut-être l'intro. Qui sait, peut-être que je vais éditer l'intro... Faut pas que je parle. Allez, gars, allons faire l'autre quête que j'avais fait. C'est-à-dire 3 œufs de Gagua. Fait qu'allons faire les 3 œufs de Gagua. Et comment qu'on va faire ça? Aller collectionner 3 œufs de Gagua? Parce qu'on les collectionne, ça m'a l'air, on va dire. Je sais pas ce qu'il veut manger. On connaît pas l'histoire dans celle-là, vu que je peux pas lire les histoires non plus. Vu que c'est en japonais. Mais on s'en fout un peu, les histoires sont jamais intéressantes. Fait que c'est pas une grosse perte. Pas vraiment. Mais dans le fond, cette quête-là peut être compliqué si vous êtes en japonais comme moi en ce moment. Parce que c'est un petit peu... Oh non, j'ai touché au micro. Non, micro! Parce que c'est un petit peu pas évident qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout parce qu'ils sont pas seulement une fois salauds. Ils sont deux fois salauds. Vous allez comprendre. Mais au moins, non. Vous allez comprendre. Fait que pour avoir un œuf de Gagua, faut pas que le Gagua nous ait vu. Et comme ça, lui, il est en train de faire une animation. Généralement, quand ils font une animation, je l'ai plus souvent. Et on leur donne un coup de pied. Faut pas qu'ils nous aient vu. Faut les surprendre, dans le fond. Et allez pas prendre l'œuf tout de suite, parce que généralement, ils nous donnent un coup de cul par après. C'est jamais bien un coup de cul. Mais après ça, tout le monde s'enfuit après qu'on ait donné un coup de pied. Fait qu'on peut pas vraiment aller botter d'autres gagouas pour avoir un œuf. Je sais pas si on pourrait faire ça. Botter plus qu'un gagoua pour qu'il donne un œuf. Puis si l'œuf reste. J'en ai aucune idée, mais vous allez... On va voir. Parce que aussitôt qu'on a délivré un œuf, on a livré un œuf. Ah ouais, livre l'œuf. J'ai failli peser sur le X. Ça n'aurait pas été bien. Il n'y a plus de gagouas dans la zone 1. Bon, ça que je voulais dire, il n'y a plus de gagouas dans la zone 1. Et ça fait qu'on est... Oh! Fuck, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on s'en va en chercher à la... Les autres gagouas qu'il faut aller chercher sont à la zone 7. Et non à la zone 4 pour une raison que j'ignore. C'est ça le deuxième coup chien. J'ai jamais réussi à avoir des œufs de ces deux gagouas-là. Ils en donnent jamais. Jamais. J'ai jamais vu n'en donner. Si vous en avez vu vous autres, tant mieux pour vous autres, mais je perdrai pas mon temps avec eux autres. On s'en va à la zone 7. Parce qu'à la zone 7, m'en ont toujours donné. À la zone 1 aussi, m'en ont toujours donné. Je sais pas pourquoi à la zone 4, ils en donnent pas. Parce que ça leur tente pas. Puis c'est pas parce qu'il y a un bulldrome, parce qu'il y a un bulldrome en ce moment. Si vous le voyez, c'est pas à cause qu'il y a un bulldrome. Je l'ai essayé sans bulldrome et avec bulldrome, mais ça marche pas plus. Il nous a pas vu, fait que... Ah oui, il nous a vu en masse. Ou pas? Il court? What the fuck? Pourquoi ils se réunissent toutes? Qu'est-ce qui se passe? Oh, lui est en train de se laver les plumes. Non! On dirait que c'est quand il se réunit que ça marche pas, faut croire.
Et pourquoi ils se sont réunis, j'en ai aucune idée. Peut-être c'est ça l'affaire. Il y a une affaire que je comprends pas avec les Gagois. Moi, en tout cas, dans la zone 4, j'ai jamais réussi à avoir d'œufs de ces salauds-là. Ok, allons-y. Peut-être qu'ils sont excités à cause qu'il y a un bull roam. Qui sait? Ah, ben, ils courent encore tous vers la même place. On va l'essayer encore. Que faites-vous? Pourquoi vous vous réunissez? Pourquoi? Je suis dans ta face, puis tu m'as pas vu? Non, je suis pas capable de le botter. Ah! Ah! Je vous botte toutes, gang de salauds. Vous avez juste à me donner des œufs. Et on peut pas en avoir des œufs en dépassant, il me semble, parce que j'en ai jamais eu en dépassant. Fait qu'ils vont tout sacrer leur camp. On va aller sacrer notre camp avec eux autres. Non, moi aussi, j'ai peur. Peut-être que le Bulldrome a un rôle plus important que je ne croyais. Peut-être qu'il leur fait peur, fait qu'ils se réunissent, mais je ne sais pas. Il n'y a aucune idée. Des Jaggies ici. Au pire, on a juste allé tuer le Bulldrome. Sauf que je l'avais tué la dernière fois, le Bulldrome. Et j'étais toujours pas capable d'en avoir dans zone 4. Fait que... Oh, il y a des Gagois ici aussi. Wouh! Et pourquoi ils se réunissent tous? Je sais pas pourquoi ils font ça des fois. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ils se réunissent, ils regardent dans les airs. Fuck you! Et ça m'a l'air que ça marche pas quand ils font ça. Aucune idée pourquoi. Mais on a découvert quelque chose. Je savais que j'allais failer. Mais la dernière fois, les Gagois dans la zone 7, ils ont été très coopératifs. Pourquoi là, ils sont pas? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Mais en tout cas, on a manqué un warning dans la quête de Bulldrome tantôt. Ben, tantôt hier, plutôt pour vous autres. Fait que moi... Oh my god, y'a un Bulldrome qui a essayé de me foncer dedans. Fait qu'on va le tuer, pourquoi pas? Pourquoi pas le tuer, le salaud? Tiens, tiens. Et on a manqué un warning. Qu'est-ce qu'un warning? Ça veut dire que quand on a tué le... Ben, dans le fond, je vous dirai pas trop c'est quoi, parce qu'on va le voir plus tard. Que je l'expliquerai quand on serait rendu là. Mais on a manqué quelque chose à cause que mon enregistrement avait pas marché la dernière fois. Yeah! Pour ma chance. Maudite chance. Vite! Non! Ouch! Mais écoutons, fait que, ouais. On a manqué une petite affaire qui était supposée de ça passer. C'était rien d'intéressant parce qu'on la revoit assez souvent. Et ça avait l'air qu'il y avait un gros champ de force vers la gauche. Fait que je pouvais pas éviter vers la gauche. Ce qui a permis au Bulldrome de me massacrer sans scrupule. Maudit scrupuleux. Scrupuleux. Ah. Oh! Et oh mon... J'allais dire quelque chose, Bulldrome. Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu, mon salaud. Comment oses-tu m'interrompre? Tu mérites juste d'avoir des couteaux dans la face. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai reçu ma Wii Motion Plus. Fait que, des vidéos de... Fuck you. Des vidéos de Fuck You Bulldome vont arriver bientôt. Plein de vidéos de Fuck You Bulldome. Les vidéos de Skyward Sword vont arriver très bientôt, c'est-à-dire demain. Pour vous autres. Pour moi, je vais y faire tantôt. Fait que j'ai pas encore fait les vidéos de ça. Est-ce que le Bulldome serait parti par hasard? Je pense que oui. On va aiguiser notre arme juste au cas où. Et je pense qu'il est parti dans la zone 5. En tout cas, les vidéos de Zelda Skyward Sword vont arriver très bientôt près de chez vous. On va voir qu'est-ce que ça fait. Et je joue au jeu Blind. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vais jouer à Skyward Sword. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. Et ils s'en vont encore là-bas. Se courir comme des innocents. Non, 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 non. Ils font pas. Faut croire que le Bulldrome influence vraiment. Peut-être que s'il y a un Bulldrome dans la zone 4, ils se regroupent. Faut pas que ça soit à côté de leur zone, dans le fond. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Parce que, ouais, ça va l'air être ça. C'est la seule explication que je peux trouver. Fait que s'il y a un Bulldrome à côté de leur zone, ils capotent. S'il y a un Bulldrome dans la zone, ils capotent. Fait que ça expliquerait pourquoi que les Gagois dans la zone 4 marchaient jamais. Parce qu'il est soit dans la zone 7 ou dans la zone 5, le Bulldrome. Fait que quand il était dans zone 5, moi j'ai pris les œufs dans zone 7 des Gagois. Fait que ça doit être ça, c'est en plein ça, je viens de trouver c'était quoi le problème. Meilleur. En tout cas, j'espère. Ça me semble logique. Fait que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Yeah! 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 En tout cas, c'est notre deuxième œuf. Ça fait 5 minutes déjà. What the fuck, on est en train de perdre notre temps dans cette quête-là. On va accélérer le dernier œuf, tiens. Pourquoi pas? Ou peut-être pas, qui sait? On va voir qu'est-ce que je vais faire dans l'éditage. Fait que, espère que la vidéo s'est accélérée ou pas. Ou peut-être que vous le savez déjà, elle est déjà accélérée. Qui sait? Est-ce que j'ai l'intention de faire une autre quête dans cette vidéo-là? Au moins. Faut pas... Oh, on a 3 rations au début. C'est bien, c'est très bien. Fait que, allons chercher notre dernier œuf. On va le manger, on va faire une omelette de gagois. On peut pas vraiment faire des omelettes de gagois, mais non. Et ouais, c'est quelque chose pour obtenir les matériaux de gagois si on veut. Ça peut être utile, mais pas vraiment, parce qu'on s'en fout de faire des armures de gagois. Mais si vous voulez faire toutes les armures, ben, il va falloir que vous fassiez cette armure-là. Parce que c'est logique. Je pense que l'armure, c'est une tête de gagois qu'on se met sur la tête, justement. J'en ai aucune idée, je me rappelle, mais ça d'avoir vu ça quelque part. Mais ça doit être ça, ok. Je me rappelle plus. Ah non, les gagois s'en vont, s'enfuient. Est-ce que c'est parce qu'il y a un Bulldrome dans les coups de parage? Le Bulldrome se révèle à la zone 6. S'il
quitter ta zone 5, je viens de tout me faire perdre la patience. Ah, il est dans la zone 5, ça doit être ça, c'est en plein ça. On va attendre voir s'il sacre son camp. Il est en train de sacrer son camp à la zone 2. Ou pas, ou pas. On va le tuer, fuck you. On tue le bulldrome en mode accéléré. Ah, maudit, t'aurais pu me charger dessus pour me faire paraître moins fou, même si c'est dur de faire ça. Mais écoute, je veux juste que tu partes de cette zone-là pour qu'on puisse aller agresser des gagois. Puis il y avait même pas de gagois dans la zone 4. Ils sont disparus comme par magie quand il faut pas, hein. Gang de salauds. Maudit bulldrome qui fait peur aux gagois. Comment oses-tu faire peur aux gagois? Il y a juste moi qui peux faire ça. Puis Luigi. Juste les deux personnes-là qui peuvent faire ça. Dans le jeu vidéo. Ah ouais, petit bulldrome, souffre. Souffre jusqu'à ta mort. Je suis tellement cruel. Oh, ok, ok, t'as pas aimé qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas grave. On peut s'arranger. Est-ce que tu veux des champignons? J'en ai plein. Non, t'auras jamais mes champignons. C'est ça, ça t'a fait peur que je te mentionne mes champignons, hein. Je le sais. Je le sais, mon salaud. Oh, hey, c'est ça, sac ton camp. J'ai pas besoin de te tuer. J'ai juste besoin que tu sacs ton camp de la zone 6. Et on va confirmer ma théorie drette là. Yes, c'est en plein ça. Je suis content d'avoir découvert c'est quoi le problème. Ah ouais, donne-moi un coup de cul, s'il te plaît, petit gagois. C'est-tu un bon gagois, ça, un peu. Bon petit gagois. On sac notre camp maintenant. Mais regardez-moi comment ils courent mal. Ils ont des petites ailes en plus. Je les pitié. Je les pitié. Hey, pity them. Pas vraiment. Ils sont méchants à essayer de nous donner des coups de queue parce qu'on leur a fait tellement peur. Des coups de queue. Il y a des bulles fango ici, j'avais jamais remarqué. Mais les bulles fango dans Monster Hunter World Tour sont vraiment plus faciles à éviter. Regarde le premier Monster Hunter, inquiétez-vous pas. Oh my god, j'aimerais pas ça être dans Monster Hunter en ce moment. Et ok, non, dans la quête des de Powder Stone par exemple. Oui, regardez-moi ça, il sera même pas jusqu'au bout. Mais dans le premier Monster Hunter, les bulles fango étaient vraiment OP, ça avait pas de bon sens, ils étaient surpuissants. Mais écoute, non. Là, sont moins frustrants dans ce Monster Hunter-là. Ils sont moins frustrants dans Unite aussi, ou dans n'importe quel autre Monster Hunter. Ils ont vraiment diminué dans toute la gang. Mais écoute, mon petit gang de bulles fango surpuissants dans le premier Monster Hunter. Ah. Mais on a fini la quête, alléluia! Quest finished! Quest completed! I'm a Mario! Ah ouais, Luigi, c'est le temps de shiner. Shiny, shiny, shiny! Oh, en parlant de Luigi et de salaud, dans mon enregistrement perdu, il se trouve que Luigi aimait bien massacrer salaud à la fin des quêtes, et je suis fier de Luigi. C'est mon préféré des deux. Fuck you, salaud! Fuck you! Fait que Luigi donnait des coups de bâton à Salo à la fin de la quête. Je sais pas pourquoi il avait fait ça, mais il l'a fait pendant deux quêtes de suite. Fait que, yes! Luigi, t'es fiable! Mais non! C'est ça qui est fun! C'est ça qui est fun! Oh! On a eu des plumes de gagois, des os et de la viande crue. C'est ça qu'on a eu dans les récompenses. Si vous vous le demandiez, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on peut se demander. Et... en ce moment, je fais attention, je regarde si mon enregistrement s'enregistre et il a l'air de s'enregistrer vu que j'ai supposément trois parties, what the fuck? Ah non, ça devrait être deux. Ok, ok, c'est correct, ça a l'air d'être correct. C'est très bien, on s'en va pas à la ferme vu qu'on n'a pas fini la vidéo encore. Je ne croirais pas avoir fini la vidéo. Non, on s'en va faire une autre quête à la place, on va pas ranger rien. Parce que je fais ça entre les vidéos maintenant. On va aller faire... où es-tu, petite quête? Oh, il manque des quêtes! J'avais prévu de faire 3 Jagia, sauf que... oh, ils sont là! Ok, il manque pas de kite. Phew, c'est moi qui hallucine. On va faire 3 Jagia. Allons tuer 3 Jagia. C'est dans la même maudite map qu'on a été jusqu'à présent. Oh, c'est vrai, on n'a pas été dans une autre carte jusqu'à présent. On a juste été dans la Mountain Stream. Fait que c'est bien. Pas de changement. Dans la prochaine vidéo, on va avoir du changement, par exemple. On va s'en aller dans une autre carte. Yeah! Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo seulement. Next video, please. Please! Allons tuer 3 Jagia, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont aller, ils vont probablement être n'importe où pour nous faire visiter la carte encore une fois. Mais coudon, coudon, coudon. Non, je veux pas visiter la carte encore une fois la nuit par exemple cette fois-ci. Oh, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des lumières. C'est des Thunderbugs, on va dire. On va dire, c'est la version Portable 3 de Thunderbugs. Parce qu'il n'y a pas de Thunderbugs. C'est-à-dire les super salauds qui étaient dans la tour, qui sortaient du Yamaha. Tsukami aussi. Et il n'y a pas de Jagia. Oh oui, il y en a un. Il dort à terre. Il se camoufle à terre. Tu vas mourir. Ça t'apprendra à dormir en plein jour. Oh non, on est la nuit. C'est pas grave. Meurs. C'est pas grave. Tu dois mourir parce que je suis fou. Je suis un démon. Ah! Ah, j'ai même pas besoin de matériaux de Jagia. Fait que fuck you de Jagia plutôt. J'ai besoin de grand Jagia. De grand Jagia. Grand. Grand Jagia. Non, il y en a un autre ici. Je suis agréablement surpris. Bonjour, petit Jagia. Voudrais-tu une Demon Dance? Regarde-moi ça, comment que je danse bien. Ah non, t'as fait un hip check de la mort à mon petit Luigi. Osez faire ça, Luigi. Il y a juste un chat au monde que j'adore. Et c'est Luigi.
fuck you, salaud. Gamma, regardez-moi ça, comment que je suis fier de Luigi. Oh, il vient de donner un coup de bâton dans la face de salaud. C'est-tu un bon chat, un peu? Ah, je reviens pas. Je suis fier de mon petit Luigi. Il est content que je l'ai ramené de Freedom Unite, c'est pour ça. Ok, fait que cherchons le dernier Jagia. Parce que cette quête-là est pas longue, c'est pour ça que je la mets dans la même vidéo. Oh my god, un grand Jazzy! Fait que, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, ça faisait depuis depuis qu'on a fait des vidéos sur Monster Hunter 3! Oh, tu mérites une Demon Dance dans la face, mon cher, puis on va sacrer notre cas parce que c'est pas ton temps. Your time has not come yet. Bientôt par exemple, on va le faire bientôt, surtout qu'on a deux quêtes. Oh, il y en a deux Jagia, plutôt, ici. Qu'est-ce que vous faites ici, gang de Jagia à la schnappali-schnapp? Demon Dance pour vous autres? J'aime ça danser pour vous autres, mes chers Jagia. J'oublie tout le temps de dire le A. Regardez-moi ce salaud-là qui se fout devant l'écran. Va-t'en, salaud! Oh, il essaie de se venger à Luigi. Comment? Oh, style. Tiens, Luigi, je vais t'aider à tuer ce petit Jagia-là. Tiens... J'aiderai jamais! Salaud! Il est trop salaud, salaud! Ah! Ah! Non! Tuez le Jaggy avant! Ok, parfait! Oh! Oh! Ah ouais, go combat! Ah ouais, go Luigi, massacre salaud, please! Non, tu veux pas le massacrer, ce fou! Tu l'as trop massacré avant, je te comprends. Je vais le faire à ta place. Tiens! Salaud! Tiens! Ok, je pense qu'on l'a assez tué, sinon on va vouloir... va vouloir nous tuer plus tard, va essayer de nous assassiner pendant notre sommeil. Fait que on va pas trop le massacrer. Oh, Luigi dort pendant que Salaud fait la job et que moi je fais la job aussi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il fait là? What the fuck? Ah, c'est parce que je suis accroupi. Fait que les chats s'accroupissent en même temps qu'on s'accroupit. C'est-tu bien un peu? Et si vous vous demandez pourquoi je vais chercher du miel, ben c'est parce que ça donne des points des fois avec les miels royales. Fait que pour la ferme, si je veux pas trop niaiser avec la ferme, ben je me prends des points. Beaucoup de points G. Oh, plein de matériaux de Jaggy qu'on n'a pas de besoin. Yeah! J'aurais pu briser la tête du grand Jaggy. Ça m'aurait aidé un petit peu. Pas vraiment. Mais j'aurais pu le faire quand même. Ça m'aurait donné un shiny aussi. Un shiny! 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 It's shiny. Ok, fait que merci d'avoir regardé cette vidéo. Et... Bye-bye!